Sportivement, il risque un an de suspension, mais le président du PSG, lui, Nasser Al-Khelaïfi, a déclaré que Brandao ne devait plus jouer au foot. Alors, pour ou contre la suspension à vie de Brandao, 32-16 et hashtag RMC Live pour réagir. Il passera en commission de discipline le 18 septembre, ouais. Brandao. En attendant, il est suspendu à titre conservatoire, comme on dit. Oh, Vincent, bon, suspension à vie ou pas? Ouais. Ben non, mais pas du tout. Suspension à vie parce qu'il a mis un coup de casque à un mec dans les vestiaires. Mais ça va pas ou quoi? Qu'il soit puni, bien entendu, qu'il prenne un mois de suspension, 2 mois, 3 mois. Je veux bien, mais suspension à vie. Puis quand même, c'est quand même... Les mecs comme ça, te foutent des sanctions à vita aeternam, sine die. C'est-à-dire jusqu'à nouvel ordre. Oui, jusqu'à nouvel ordre, tu vois, c'est ça. C'est compliqué, non, mais c'est quand même inadmissible. Al-Rififi, président du PSG, Samir. Comment non, Nasser. Nasser. Oh, c'est la même. Écoute-moi, qu'ils se permettent de dire ça, ça y est, ils se cagolisent. Parce qu'attention, il n'est pas à l'abri avec tous ces oiseaux, ces asticots qu'il a au PSG. Oh, avec la tête qui peut faire... dimension. Ah non, mais arrête de ce snobisme, même. Je le sais, Pierre. Je le sais qu'on est passé. Mais dans ce foot de pauvres qu'on côtoie avec les Marseille et compagnie, Pierrot, nous, le grand club du PSG, on peut se confronter à des moyens. On est tiré vers le bas quand on va vers rencontrer ces petites peuplades là. On est de ces petits clubs. On est tiré vers le bas, donc il peut arriver des accidents au PSG. Je serai Samir Nasri. Nasser Al-Rififi, je ferai attention de ne pas vouloir le maximum, de vouloir dans une intolérance totale, dans un excès, tu vois, dans un excès d'espèce de grandeur du PSG, vouloir punir tout le monde parce que ça peut lui arriver. Puis en plus, il ne le mérite pas, il lui a mis un coup de casque. Bon, voilà, après, Thiago Silva fait semblant d'être énervé. Silva fait Fildar, il avait un pull en laine. Thiago Silva. Monta, ce que tu veux. Il a fait semblant de s'énerver, tout ça. Écoute, il avait le nez en sang. Bon, voilà, il est pas mort. Et puis voilà, le week-end après, il rejouait. Et puis c'est réglé, quoi. Ouais, Seb, toi qui mettais des tartes, qui assommais tes adversaires quand tu jouais en Pro D2, tu as dû apprécier le geste technique de Brandao. Ça aurait pu être mieux exécuté, mais une note artistique sympathique. Mais si on doit le radier à vie, alors bien sûr, sportivement, je trouve ça complètement démesuré et ridicule. Mais c'est pour manque de courage. Il est parti avec courage. C'est pour ça, c'est le manque de courage. Il n'y a que pour ça que tu peux le suspendre. Tu peux plus jouer avec un mec qui met un coup de casque et qui part en courant. C'est pas possible, ça n'existe pas ça dans le sport. Bon, et après, échappage, quoi. Et échappage complet. Échappage. Et après sur le geste. Échappitude. Parce que bon, le niveau de sanction que tu estimes juste pour Brandao, c'est quoi, Seb? Oh ben j'en sais rien. Il y a des règlements. Non, mais monter sur un ring, prendre 2-3 tartes et puis après peut-être que ça le calmera. Peut-être, je sais pas, 8, 12 matchs. Le règlement, c'est jusqu'à un an de suspension. Ouais, mais c'est tout. Mais de toute façon, les règlements, ça part toujours d'une semaine à 6 ans. Ouais. Donc oui, c'est complètement non, mais ridicule. En tout cas, devant la justice sportive, il ne peut pas être suspendu plus d'un an. Parce que l'interruption du temps de travail de Thiago Motta est inférieure à 8 jours. Ouais. Si ça avait été supérieur à 8 jours, ça pouvait aller jusqu'à 2 ans. Hein.